Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire, le mercredi 27 octobre 2021, dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Asimigwata, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications. Au titre du ministre de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable, le ministre de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable a informé le Conseil des ministres, A. De l'agression des cours d'eau par les activités d'exploration et d'exploitation aurifère par drague. Malgré l'interdiction de l'exploitation de substances minérales dans les lits des cours d'eau par drague, force est de constater, moins l'exercice illégal de l'exploitation de l'or par drague sur les fleuves Niger et Sénégal et sur certains de leurs affluents, moins l'occupation des galeries forestières classées moins la délivrance illégale par certaines organisations professionnelles de cartes d'exploitants de drague, moins la perception de taxes à plusieurs niveaux et parfois par des acteurs n'ayant aucune qualité, moins la pollution par des produits tels que le mercure et le cyanure des cours d'eau partagés, en violation des accords internationaux signés et ratifiés par notre pays moins les eaux turbides et boueuses préjudiciables au système de pompage et d'exploitation de certains offices et sociétés, moins les conflits entre pêcheurs et chercheurs d'or par drague. Face à ces menaces, le Conseil des ministres a recommandé la poursuite, moins des campagnes d'information et de sensibilisation des acteurs concernés, moins des opérations de dégarpissement des dragues, moins des missions de surveillance des cours d'eau après les opérations de dégarpissement, moins de la mise en œuvre effective des actions préconisées par le plan d'action de lutte contre l'exploration et l'exploitation aurifère par drague sur les cours d'eau. B. De la problématique de la gestion durable des déchets solides du district de Bamako et de la ville de Kati. La problématique de la gestion des déchets solides du district de Bamako et de la ville de Kati est caractérisée entre autres par moins l'accumulation des ordures ménagères, moins la création de nombreux dépôts sauvages, moins la stagnation des eaux usées et pluviales. Face à ces situations, le Conseil des ministres a recommandé la mise en place de commissions interministérielles de réflexion et de suivi de la mise en œuvre des actions de lutte contre l'exploration et l'exploitation de l'or par et de la gestion durable des déchets solides du district de Bamako et de la ville de Kati. Le ministre de la Santé et du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.